Yatano. Terminons rapidement. L'amour empathique. Upendo wa kujitia kunafasi ya mwenzako. Matthieu 7:12. Matayo 7. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Yote mnayotaka watu watendeye. Faites-le de même pour eux. Yatendeyeni pia kwa wengine. Car c'est la loi et les prophètes. Maana hii ni sheria na manabii. Chenye unapenda bakutendeye. Ce dont tu veux qu'on fasse pour toi. Tuwe na kifanyizia mwenza. Amina. Faut le faire aussi pour l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Hii mapenzi. Cet amour. Ya empathique. L'amour empathique. Ni wakati uko naona mwenzako. C'est quand tu vois l'autre. Unajitia kunafasi yake. Tu te mets à sa place. Na hali yenye ikuamu kama inamuhuzunisha. Et la situation dans laquelle il se retrouve. Na we huzuni ya mwenzako inakunasa. Et toi aussi cette tristesse doit te prendre. Kama ni bibi hafurahi, si c'est une femme qui n'est pas contente. Na webi nyabi mfurahisha abikufurahishe. C'est donc qui l'a rendu mécontent doit aussi te rendre mécontent. Kama ni bwana narudia, si c'est un mari qui rentre. Amevunjika moyo. Le brise le cœur. Na unamkutana mshambre haiko mweta ya bien. Et tu le rencontres dans la chambre, il n'est pas dans un bon état. Na wewe unaanza muuliza, et toi aussi tu vas commencer à lui demander. Nini chéri? Qu'est-ce qui ne va pas mon mari? Mais kuko bengine bana kuwaka sawa mabata. Mais il y a d'autres qui sont comme des canards. Oui, oui. Hajali. Il ne se soucie pas. Observez cette image. Mwangalie picha hii. Ça vous dit quoi? Inawaambia nini? Ça vous dit quoi? Picha hii yawaambia nini? L'homme a le problème. Huyu mume ana shida. La femme est au salon. Muke yuko kwenye salon. Elle l'observe. Anamutazama. Sans lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Bila kumuuliza nini sio endeka kwake. Et des fois batoto batamuuliza. Et des fois les enfants vont lui demander. Maman. Papa nakufa nini? Qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Bazimu ya kwabo inatomboka. Ce sont les démons de chez eux. Qu'est-ce que baba yenu? Est-ce que vous oubliez votre papa? Nani naweza kuwa na mtu mwenye utakuwa nasikia hauko bien asikuulize nini? Qui peut vouloir être avec quelqu'un dont quand tu ne te sens pas bien cette personne là ne te pose pas la question. Na usikie. Et que tu sens kile kitu chenye banaita kila mtu kusikia roho ya mwenzake inavunjika na yavunjike. Cette chose qu'on appelle lorsque le cœur de l'autre est brisé que ton cœur aussi soit brisé. Ikosekane. Que ça te manque. Comment vous découvrez si vous avez cette qualité? Empathie. Empathie. C'est dont nous appelons l'empathie. Ni wakati, c'est lorsque ukiona mwenzio iko mushida, quand tu trouves l'autre est dans une na unasikia ka apeti naenda. Et toi tu sens que l'appétit disparaît. Unasikia na weye, et toi tu sens que hauna raha. Tu n'es pas heureux. Nilishaona babwana. J'ai déjà vu les hommes. Bibi analala iko na hangaika. La femme passe la nuit en train de se tourmenter. Na mwenzake anasinzia. Et l'autre sommeille. C'est mulamuka yekula sema siwe kama melamuka yeme niko namuona mumshamba. Comment vous êtes réveillé? Oh, je ne sais pas comment. Bengine njo banakuuliza. Ce sont les autres qui te posent les questions. Pale ni je. Là à la maison c'est comment? Mais la misi yauliza ngwa ni mukuulizie. Pour moi aussi je ne sais pas. Est-ce que je demande? Na ni mugonjwa. Et elle est malade. Siku yenye na utagazibika, les jours que ton tour aussi viendra, hata kujali, il va pas s'occuper de toi. Nilikirimba, et c'est le ristourne. Bitafika kwenye Biblia nasema, ça arrivera où la femme va dire, kama mimi naweza teseka, si moi aussi je peux, hanijali, et ne se soucie pas de moi, na mie biake, et moi aussi ses affaires, habinione. Amen. Ne me regarde pas. Oui, oui. Je vais vous lire une petite citation. Vous ouvrez la porte. Anakufungulia mlango. Unafungula mlango. Vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Unakuta mwanamke mpole anayekukaribisha. Elle est toute jolie et nette. Ni mrembo
mzuri. Elle s'approche de vous. Anakukaribia. Vous donne un baiser sur la joue. Anakubusu kwenye shavu lako. Elle dit. Anakuambia. Papa. Baba. Tu es fatigué. Hivi unachoka. Elle vous fait asseoir sur une chaise. Anakukalisha kukiti. Elle s'assied elle-même sur vos genoux. Mwenyewe anakaa kwa magoti yako. Elle passe ses bras autour de vous. Anaweka mkono wake kwenye mabega yako. Et vous caresse. Na anakupapasa. Alors vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Ndiposa unajisikia kwamba michoko inapotea. Quelque chose vous réconforte. Kuna kitu kinachokutia nguvu. C'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ses buts. Ni kitu Mungu alikupatiaka ule bibi katika shaba ile. C'est une partie de vous-même. Ni sehemu yako mwenyewe. Si donc elle est une véritable époux. Kama ni bibi wa kweli. La seconde venue du Seigneur, paragraphe 4. Ujumbe unaoitwa kuja kwa pili kwa Kristo mtaji wake wa 18. C'est une équation. Mtu yuko narudia na choka na hakuna wa kumwambia pole na mchana. L'homme rentre à la maison étant fatigué, il n'y a personne pour lui dire. Bibi yuko nasonga chakula. La femme prépare à manger. Anachoka. Elle se fatigue. Anatia chakula kumeza na sema leo bwana yangu atanambia. Elle apprête la table se disant que aujourd'hui mon mari va me féliciter. Oui. Le mari mange te gardant dans Ananawa les yeux. Mikono, yaka, elle se lave les mains, il prend son téléphone. Bibi anangoba mwambie que Dieu vous bénisse. La femme attend qu'on lui dise que Dieu te bénisse. Anajuse, a quoi ça ne lui pique mba? Peut-être que j'ai mal préparé. Et même ses enfants ici. Anakula. Il mange. Il ne te dira pas. Maman, chakula kwa butanga. Maman, la nourriture était pas. Aba batoto benyakisha kula na kwambia sema mama bilikuwa bia bien. Ces enfants qui te disent maman c'était bien après avoir mangé. Toka mo ba papa ba bien. Ndio. C'est dans ces enfants qui peuvent. Mais mtoto anakula na kula na natoka bila kusema. Mais ces messieurs ou cet enfant qui mange et il se lève de la table sans même dire quelque chose. Mettez-y un point d'interrogation. Bwana narudia kunyumba. Le mari rentre à la maison. Bibi anamukaribisha. La femme l'accueille. Anamwambia pole na mchana. Et lui dit pole na. Etibali umba mwanamke kwa ajili ya ile. Habakubaumba jumu kuwe mnafanya vingine tofauti. Bali baumba ili mwanaume akirudia asikie kama kuna mwenye nakaribishwa. Na amutulize mawazo na michoko mufasua na mukaribisha. Dio. Frère Branham anasema sema na kama ta ulikuwa ulichoka unasikia mchoko inaenda. Amen. Kisha mwingine yuko nafika njoo unamuongezea tena masusi. Yo. Vous avez été créé pour dorloter vos maris quand ils arrivent étant fatigués et que vous les soignez jusqu'à ce qu'ils arrivent à se sentir qu'ils ne sont plus fatigués. Oui, c'est oui. Pour ça que vous avez été créés. Amen, amen. Mais les autres, quand les maris arrivent à la maison, vous ajoutez encore les soucis sur les soucis. Okay. La femme a été créée dans ce but-là. Et katika chabahi muke ali umwa. Naona penda bako manakuambia pole ya ewe mwenye sau kisha kanyanga mumulango. Unanzaka tombokea kumulango. Et toi aussi tu veux contacter gentiment comment pendant que quand tu arrives juste à la porte, tu commences à tonner à la porte même. Kuko batu? Il y a les gens. Iko kunyumba? Il est à la maison. Amani haiko. Il n'y a pas la paix. Akitoka? Quand il quitte. Bibi ananyorosha migule na sema. La femme s'étend et haifai bwana kukua kunyumba ikuwe ni kushitula bibi. Faut pas que quand l'homme est à la maison que ça soit vraiment quelque chose d'intimidation à la maison. Unakuya ni amani nakuya ni mwami anakuya. Tu arrives à la maison, c'est la paix qui vient, c'est un roi qui arrive. Amen, amen. Papa nakuya, papa nakuya. Bote unakimbia mtoto unapita huko mwingine unapita huko. Papa vie, papa vie, papa vie. Na mengine manenda chini ya kitanda bananza pumua samsere banyakwanza. Bako banango basikie kule kusalobi tu bitanza bomoka ye. Ndio ndio.
Quand ils écoutent que papa vient, ils fuient, se dispersent, même oui, oui. sous le lit, oui, oui. commencent à respirer comme des lézards. Mon Christ, mon Yannaroudi, à quoi qu'il faut pas te prendre chez Nyakitanda. Un chrétien vraiment qui rentre chez lui, il faut que les enfants fuient en dessous des lits. Ou qui s'affirme, bibi njoa na nenepa. Quand il voyage, la femme grossit. Ou qui va qui à kunyumba. Quand il reste à la maison, estomac inapanda. L'estomac commence à la troubler. Non. Six. Il y a sita. Je vais m'arrêter. Je vais lire, je vais dire, je vais les citer sans les expliquer. Ninaenda on prie, on parle. Kuyataja bila kuyafasilia, tuombe kisha twende.